Tout ça, le bassin, tu es un peu plus de temps. Le ministre de l'Union, le bassin de la le prophète Benjamin Mpanga, le docteur Corneille, l'évangéliste Jean-Jacques, le pasteur Chadrak, le bassin de Bélé, son attaque de la Combo, le pasteur Kam, c'est donc je salue tous les ministres dans les groupes, tous les disciples et tous les bien-aimés au bassin de la Catholique. Laisse que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit accordée. Lobby, mais lobby, toi qui contre toi, parce que dans le partage, il y a des gens. Il y a des gens dans le partage, tout ça qui n'est pas 18h30. Pas 18h30, voilà. Alors, tant que nous avons comme un andaku, connexion Pinzaïr, mon téléphone, nous avons comme un lourd, à partir de 20h, nous avons terminé de la quitter. Il y a toujours intervenir dans ton gualelo. Laisse que la grâce, la paix de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit accordée. Tout bon délit. Seigneur Jésus, merci pour ce temps. Sois le maître de ce temps. Parlez-nous. Bénis ce temps. Nous sommes dans la musique au nom de Jésus. Éclaire-nous. L'obé la bisson. Enseigne-nous. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons m'kanda à Proverbe, chapitre 30, verset 24. Il y a sur la terre quatre animaux petits et cependant des plus sages. Tous huit. Esaïe, chapitre 38, verset 1 à 8. Esaïe 38, verset 1 à 8. À ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Esaïe, fils d'Amon, vint auprès de lui et lui dit, « Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir, et tu ne vivras plus. » Ézéchias tourna son visage contre les murs et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Esaïe à ces mots. Va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai attendu ta prière, j'ai vu tes larmes, voici j'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville. Et voici, de la part de l'Éternel, le signe auquel tu connaîtras que l'Éternel accomplira la parole qu'il a prononcée. Je ferai reculer de 10 degrés en arrière le soleil, l'ombre de degrés qui est descendu sur les degrés d'Akaz. Et le soleil recula de 10 degrés sur les degrés où il était de Sandi, verset 9, cantique d'Ézéchias, roi de Juda sur sa maladie et sur son rétablissement. Tozui, un roi, chapitre 20, mais Torotanga n'y a sauté, Tozui Lukelo Komokoana, Ezara Lissolo Ézéchias, un roi, chapitre 20, verset 1 à 11. Tozui, Zoua, écriture, Sige Zoloba, un roi, chapitre 20, Roi chapitre 20, s'il vous plaît, je crois le faisala des rois. Faisala des rois, chapitre 20, verset 8. Ézéchias avait dit à Esaïe, à quel signe connaîtrai-je que l'Éternel, mais non, je prends le verset. Je verset 8. Ézéchias avait dit à Esaïe, à quel signe connaîtrais-je que l'Éternel me guérirait et que je monterai le troisième jour à la maison de l'Éternel? Ok. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il ajoute l'explication à cette lecture. Nous avons placé les quatre plus petits animaux. Et la révision par rapport à Bandeko et au Bazalaki dans le groupe T, va rejoindre Bissou. Tout Simba qui m'a dit que toujours que la grâce est supérieure à la loi. Banyama wana nyonso balobela kana nzambe yemoko sur le Romains 1 verset 20. Banyama minene baotali sa nzambe na kata grandeur na ye, banyamkie baotali sa nzambe na kata petitesse na ye. Banyama ya minene baotali sa nzambe comme le père, banyama mikie baotali sa nzambe comme le fils. Aza revisio tolobela kiango na audio oyo euti na koleka.
Or, la sagesse que Dieu avait utilisée quand il était grand, c'était la loi. Tout ça qui peut l'écriture. La sagesse que Dieu utilise aujourd'hui dans la petitesse, c'est la grâce. Nous disons que la grâce est supérieure à la loi parce que la loi n'avait pas sauvé. Voilà pourquoi nous disons qu'aujourd'hui la grâce est supérieure à la loi. Que le Seigneur nous bénisse. Donc, Ngolou, Ezamounen et Koleka, Mobeko. Parce que vous remarquerez au temps de la loi, bien que le spectacle Nicolas Montagne à Sinaï, le foudre Zobeta, le kake Zobeta, mais on t'a bien quitté. Là, quand Dieu était venu dans toute sa puissance, dans toute sa force, wana, na Sinaï, on t'a bien quitté. Mais tant qu'on se forme à serviteur na petitesse à yé, c'est alors qu'il va nous sauver. Que le Seigneur nous bénisse. Tous les blagues, c'est les quatre petits animaux. L'autre aussi, aspect côté de sa guerre, la grâce est supérieure à la loi. Alors, l'objet ce qui nous amène aussi, les quatre petits animaux, pour expliquer, bango quatre par rapport à Christ. Et puis, tu vois aussi Mbabango par rapport à quatre langages, ce qui nous amène au linga lundi. Tu vois mettre point, tu vois paiement mandambu pour te lever sur le ministère de la femme, je crois, la semaine prochaine. Tu vois, il faut contacter Baté et parler sur le ministère de la femme parce que ça demande, il y a moko na biso na kati ya groupe. Que le Seigneur nous bénisse. Remarquez, roi Ézéchias était malade. Roi Ézéchias a béli. Na kati ya kobela na ye. Lokola roi, bien que komamite, mais nous croyons que ba traité qui est. Mais na kati ya malade, il y a qui il sert moko boué. Ézéchias a malade et bandé qui peut résister à bika kite. Ezaïe a ye. A koute Ézéchias na malade. A ebisi Ézéchias, pe sa ba ordre nanda kounomi bongi sa en quelque sorte. Notre rôle va que ça la testament. Et nan otika na boué, nan otika na boué. Parce que nzamba lobi ou bika te ou koufa la malade yon zana. Ezaïa bimi, Ézéchias a léli contre mira soupi maya miswe. Ezaïa koma ki moussika te message yele sou souzonga. Kende ko yebi sa chef wa peuple na ngaye, na moni maya miswe nebo yebo na obiki sa ye. Te yebi histoire na bien. Sikoyo, Ézéchias a zo tout na prophète question. Na eloko nini ke na ko yeba, sa nzamba pe sa nga sin ke na ko bika. Ezaïa tounye, moui, e avancé na 10 degrés. To moye reculé na 10 degrés. Ézéchias a le dit que ceux qui moye avancé na 10 degrés c'est normal pour moye kenda ka liboso. Mais moye avancé na 10 degrés te moye zonga na 10 degrés. Ceux qui moye zonga na 10 degrés, c'est alors que je connaîtrai que je serai guéri. Wana to beti histoire. To beti ndoto ce que to peut explication. Ézéchias comme le roi azana ba couleur rebelle. Ézéchias ou Azarape, il te explique yepe, le cola Jésus. Ézéchias ou te explique yepe, le cola Israël. Ézéchias ou te explique yepe, le cola Adam. Azanaba couleur et belé. Mais en a joué dans le cola Adam, parce que vous remarquerez que Ézéchias était un roi. Il dominait. Il avait l'autorité, la puissance, la richesse, la gloire. Nakata Israël. Et tel ça Adam, où il y en a Eden, nous avons appris ça qui est autorité, pouvoir, puissance, le quoi, nous avons appris ça qui est Eden. Donc, Moutou a été comparable à Adam, à Eden, c'est lui qui était le roi de l'Eden. Donc, ce qui est Eden, autour du roi Eden, il y a Adam. Donc, Adam était le roi en Eden. Il avait l'autorité, la puissance. Donc, c'est lui qui était le roi. Donc, remarquez que Ézéchias, c'est quoi, il y a maladie. Maladie à Ézéchias, tant que Ézéchias a quoi malade, et autalisa l'humanité dans la vie du péché, et autalisa l'humanité bisonio se déchire à quatre Adam. Parce que la maladie d'Ézéchias explique le péché ou l'humanité bisonio se, tu vois, qui n'a quoi hérité à quatre Adam. Tu bien d'écriture, moi, pour expliquer la maladie comme la vie du péché. Tu vois, dans mon canda, il y a Matthieu. Chapitre 9, verset 11 à 12. Matthieu chapitre 9, verset 11 à 12. Les pharisiens virent cela, ils dirent à ses disciples, verset 10. Comme Jésus était à table dans la maison, voici beaucoup de publicains et déjà de mauvaises vies, vers se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Les pharisiens virent cela et ils dirent à ses disciples,
Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie? Ce que Jésus avait attendu, hein, ce que Jésus avant attendu, il dit. Non, ce que Jésus ayant attendu, il dit. Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Ok. Tolobiker, par rapport à l'écriture, il y a Matthieu, et il y a Talisaker, la maladie, c'est la vie du péché. Jésus se compare à un médecin, bato via mabe, azo compare bango comme des pécheurs. Il y a un tobi qui tant que mon roi ou azo la maladie, et tant l'humanité tout entière, oyo, tout zala qui n'a qu'à ta vie, il y a l'issoumou. Vous voyez, l'humanité tout entière, ou tout zala qui n'a qu'à ta vie, il y a péché. Mais ce que vous remarquez, le roi oyo, n'a qu'à ta vie, il y a maladie. Moi, à matana temple, à kindeko sambela, ezala kite. C'est pour dire que la maladie, il sert nae, banda ko pese accepter à kindeko sambela. À mataki nakata temple. Toujours en haut, puis tu imagines en haut, parce que nous prêchons les Écritures. Des Rois, chapitre 20, verset 5. Et komami, retourne et dit à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David. Ton père, j'ai attendu ta prière, j'ai vu tes larmes, voici, je te guérirai le troisième jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. Ok. C'est pour dire que le roi, à qui n'a pas fait qu'il soit comme à la maison de l'Éternel. Vous voyez? Mais nous avons besoin que tant que bika ou comme à la maison de l'Éternel. Ici, je prends la maison de l'Éternel comme l'Éden, comme la présence de Dieu, comme le ciel, là où l'homme était avant le péché. Mais quand Adam a eu quoi na malissumu, nous avons fois benganaé libanda ya Eden a chassé loin de sa présence. Donc la maison de l'Éternel, nazo zoyango lokola ciel. Tant nazo lobaketi montera, c'est pour dire que Dieu prophétise là que a kozongi saka mutu na présence naé. Si quand tant nazo bela Ésaïe, tant Ésaïe au lieu Ésaïe a mémélé guérison, Ésaïe aïe pour a condamné. Ésaïe a mémélié le message de la mort pour lui dire que tu vas mourir. A mémélié le message à mort, a mémélié le message à condamnation. Donc Ésaïe a soulagé qui était, a consolé qui était. Mais Ésaïe a mémélié le message à loi, a mémélié le message à condamnation que tu vas mourir. A mémélié le message à condamnation, à Sunga qui était. Que le Seigneur nous bénisse. A mémélié le message à condamnation. Ésaïe awa, le message de la condamnation c'est quoi? Le message de la condamnation c'est la loi. Parce que la loi est même loi. La loi est même loi. La loi est même condamnation. C'est pour dire que Isaïe représente tous les prophètes de l'ancienne alliance. Au lieu de guérir le peuple, pas salir pas le peuple, mais ils étaient incapables de donner le salut au peuple. Mais par contre, ils condamnaient, ils nous condamnaient. Isaïe Oyo a représenté les trois amis de Job. Job 13, verset 4. Car vous, vous imaginez que de fausseté, vous êtes tous des médecins des néants. Ok. Awa, tout le monde a dit vous êtes des médecins des néants. C'est pour dire que Ésaïe était malade, Job comme Azala qui malade. Or, tu expliquais malade comme la vie du péché. Ce que bah, trois amis n'étaient pas médecins. C'est pour dire que les prophètes étaient des médecins, mais des médecins des néants pour parce qu'il y a un makoki à Kobi qui s'atté. Il y a un monde à moi, ça perd le sang. Pendant 12 ans, ba médecin bazala, mais tous ces médecins bazala na makoki a kusil s'impirete na été, sauf les médecins Jésus ndazwa ko bikisaé a aussi s'impirete na été. Or Job o yazaka image Adam, azaka image Israël, azaka pe image à Christ. La Bible dit Job azala ki na Orient, il était considéré plus que tous les fils de l'Orient. Aki na vie bien, il vivait bien. Et talis Adam o Jardin Zalaki na Orient Eden, Azalaki considéré na miso nzambe ko leka bani amanyo sona kat Eden. L'homme le plus considérant en Eden c'était Adam. Vous remarquez que Job vivait une bonne vie. Mais comme na er moko tango Satan ko simba e, Job akozala na mabele ako perdre gloire tout Azalaki nango. Job azo kita na humilité, na humiliation, na passe na bapota na maladie, c'est ça Adam. Dans la vie du péché, c'est ça l'humanité déchirée en Adam, loin de la présence de Dieu. Mais ce qu'on a quatre amis à Job, le plus petit c'était Eliou. Les trois, Bakolo, Job a dit que, au lieu de consoler, mais bozo condamner. C'est pour dire que, condamner,
mais batikala ko bikisa yete yango to bikke les trois amis de Job baza babengi bango les médecins de Néa. Ouais, yango to bengi Esaïe comme un médecin de Néa. Au lieu d'apporter la guérison, mais Esaïe condamné, c'est ça les trois amis de Job qui ne faisaient que condamner Job. C'est ça, tous les prophètes de la Sainte Alliance, c'est un message de condamnation, un message à l'Iwa, un message de la mort qui était la loi. Parce que c'est un répétiteur à Moïse. Mais il avait le plus petit, Eliou. Eliou, c'est le plus petit, Bongo Eliou, le plus petit, Oyo, le plus petit, Oyo, le Seigneur. Les trois, Oyo, le lobby, c'est ça, tous les prophètes de la Sainte Alliance, c'est le plus petit, Oyo, le plus petit, Oyo. Mais quand le petit va ouvrir sa bouche pour parler, Makamususu ne consacre d'autres vies élu comme le Seigneur Jésus. Mais donc il est bien aspect wana te. Donc il est bien aspect wana te. Il a élu comme le Seigneur Jésus parce que tous ana et loko ont toujours visé. L'ité attend tout teaka, tout loko tout visa. Que le Seigneur nous bénisse. Bon sanate, nakata l'ité na biso tout total ça que la grâce est supérieure à la loi. Mais remarquez loko Isaïe au sala. Isaïe a mis ça ordre au Koufa, au Bikate. C'est pour dire que Isaïe a mis ce message, il y a condamnation, il y a liwa. Mais Abimi, Aesu Kozonga a changé. Tu as dit que Isaïe a eu un mouvement pour expliquer na kacha likambo Isaïe Bele. Mais nazo tika pena ba mouvement msou parce que nazo luke loko moko wao. Ba mouvement pour expliquer Isaïe Bele, tu as ko tika nan ba mouvement wana, tu si mbele okoma. Isaïe a eu le Isaïe bandoloba ndenge zawana le Seigneur a luwana mbalabi bale abio okufate daer ku tutala sin moye ko rekile na 10 degrés ndenge moye ko rekile na 10 degrés eza po etali sayo ke okukufate le 3e jour ti montera dans la maison de l'Éternel. C'est pour dire que azo pese combien de messages? Deux messages. Premier message a pese que c'était le message de la mort. Deuxième message à Pesaki, c'était le message de la consolation, le message de la guérison. Vous voyez? C'est pour dire que tous les prophètes de l'ancienne alliance, quand ils prophétisaient à Moïse, ils répétaient Moïse. Or, le message de Moïse, c'était le message de la mort, de la condamnation. La Bible dit que la loi produit la colère. C'était le message de la mort, c'était le message de colère, c'était le message de la condamnation. Quand tous les prophètes prophétisaient. Mais, na katia ba prophétie na bango, ba prophétisa kape likolo ya consolation à peuple, ba prophétisa kape likolo ya guérison à peuple, ba prophétisa kape likolo ya restauration à peuple. Pour message à l'ibosso, abine rokoufa. Après, a changé, abite rokoufate, abite rokoufate, orobika. Mais pour yé bak orobika, sim yango, soleil, et zonga sima 10 degrés. Vous voyez? C'est pour dire que ba condamna ki me ba prophétisa ki pesir le sali. Ba prophétisa ki pesir la consolation. Que le Seigneur nous bénisse. Et je bénis le Seigneur. Quand Esaïe vient, c'est pour dire que Esaïe était incapable de sauver. Esaïe était incapable de procurer guérison. Et pas Yanani. Et pas Ézéchias. Et on Esaïe, comme le médecin de Néa, selon Job 13:4, représente tous les prophètes de l'ancienne alliance qui étaient incapables de nous sauver. C'est pour dire que sur la terre, la solution est à la quitter, mais gloire soit rendue à Dieu. Pour moutoua bika, il faut mouyezon gassima. C'est pour dire que la solution quitte la terre, toke l'ikolo. C'est pour dire que sur la terre, personne n'était capable de nous sauver. La solution, il faut outa l'ikolo. La guérison. Et que outa na sete, la guérison outa pas moutoua mkilite, la guérison zo outa na l'ikolo. Que le Seigneur nous bénisse. Et loko yo, ba yebisa yango Nabucadnezar na Daniel chapitre 2. Nabucadnezar a l'atin d'auto, a l'ouk explication songe. A bengi batoué, ba chalde, ba nganga, ba yébaye bisye, et loko zo louka oyo. Moutako répondre yote, sauf les dieux, oyo banda kouda bangwe zala kana kati a batouté. Daniel chapitre 2, verset 10 à 11. Les chalidés répondirent au roi, il n'est personne sur la terre qui puisse dire ce que demande le roi. Aussi jamais roi, quel que grand et puissant qu'il était,
n'a exigé une pareille chose d'aucun magicien, astrologue ou chalidaire. Ce que les rois demandent est difficile. Il n'y a personne qui puisse le dire au roi, excepté le Dieu dont la demeure n'est pas parmi les hommes. C'est pour dire que la réponse est du roi, la solution du roi, les désirs du roi. Moutako répondre en oise qui n'a sa mabé, le testo galikolo. Yango tango zo mona Daniel, azo répondre en vérité. Daniel a une image à Nzambe et Moko. D'ailleurs, pour Daniel a révélé, il fallait que le ciel ne révèle, c'est-à-dire le ciel. Et sanganana mutu, et kotana katia mutu, ne gne ou révélé. C'est pour dire que Daniel a l'image à Jésus, oyo, aya qui correspondre. D'ailleurs, Daniel a l'image étranger na Babylone, a outaki na Cana. Ici, je prends Cana comme le ciel ou Daniel a outaki. Je prends Daniel ici comme le Seigneur Jésus, comme santé que dans la tribu à Jida. Je prends Daniel ici comme le Seigneur Jésus qui était venu de Cana, qui était venu du ciel. Yende mutoka ko répondre na préoccupation. Vous voyez? Yende mutoka ko répondre na désir. Yango to lobi ke la solution n'était pas sur la terre, mais la solution était au ciel. Cela veut dire le soleil devait faire un mouvement pour la guérison. Que le Seigneur bénisse. Donc sur la terre, yango na sa mabeli, yango lelo ko tia confiance pas mututé. Oh prophète moko abimi boye. Oh prophète moko azaboye. Oh azobi ksana lilala. Oh azaboye. Oh Azaboye, oh prophète Makoboye, aucun homme ne pouvait nous sauver. Il fallait que le ciel et Kitanasa Mabele pour nous donner la guérison. Je dois dire que Jésus, oh Yaki, c'était le ciel sur la terre. Personne n'est monté au ciel. Hein? Alors, on a Jean chapitre 3. Tout le cas, hein? Pour tout le monde, la précision. Ok. Personne, Jean 3, 13. Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, et le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Je crois, Namukandal Susuya 16. Jean 16. 16, verset 28. Jean 16, 28. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je vais au Père. C'est pour dire qu'il fallait que Nzamba quitte le ciel aïa, pour nous donner la guérison, pour donner la salée salée. Or, la guérison, parce qu'Ezekiel, quand à la chair, il était guéri. Mais sur le plan spirituel, il était le malade. La guérison qui est Nazolobéla, c'est le sali. Vous voyez? Il y aura ce que prophétie n'est pas le bac. Andes au Simba et Christine a que grâce à ça, c'est supérieur à la loi. Il y aura prophétie. La prophétie est là qui bien précise le Biboué. Si Nyangoy, pour y avoir que Bika, il faut y avoir que soleil. Il faut que Zonga s'y mette 10 degrés. Ce que mon soleil et Zongi s'y mette 10 degrés, il y a que Yo, au Bika. C'est pour dire que le soleil devait faire un mouvement. Le soleil devait faire un mouvement. Mouvement onin, ezonga sima. Ce que zongi sima, nobiki. Or, moi, depuis Nzamba Salango, moi, et la zonga sima, teke ndaka liboso. Mais, à cause de la guérison d'Ezekias, le soleil devait requérir. Que le Seigneur bénisse. Mais, qui est le soleil? Est-ce que tu es à soleil à zoologie? Soleil à, s'il vous plaît, soleil à géographie? Soleil, tout le monde a oh. Non. Le véritable soleil existe. Son arrosant est la source de Romains chapitre 1, verset 20. Divinité est le saka bonzambe et moko. Création est sa bonzambe et moko. Deuxième psaume 84, verset 12. Car l'éternel Dieu est un soleil, un bouclier. L'éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Gloire à Dieu. Écriture est-elle sa que l'éternel Dieu est un soleil. Ah, tu comprends que moyoyo ata moyoane zonga kasima, c'est pour dire que les prophètes avaient déjà prophétisé que Nzamba kozonga kasima. Or Nzamba soka tambola bazongi sake simata zonga kasimate, mais les prophètes avaient déjà prophétisé que Nzamba kozonga kasima. Donc tant moyo zonga sima, les prophètes disaient déjà que Dieu il y aura un temps kozonga kasima. A zonga sima pourquoi? Pour la guérison de l'homme. Pour soka zongi simate akeka kaliboso muta okufa muta obikate il faut zonga sima. Donc zonga sima ya soleil ndezo magerizo parani et pas Ezekias. Or le soleil c'est tout un homme, c'est Dieu lui-même. C'est pour dire que tant que mon soleil est avancé na 10 degrés,
C'est pour dire que Dieu a asala qui dit pas. Si kopo mutabika, il faut azonga sima. Or quand on voit le nombre 10, nous voyons la loi. Quand on voit le nombre 10, nous voyons la loi. C'est pour tant que le soleil c'est là qui a avancé à 10 degrés, c'est ça Dieu dans la loi. Nous avons tambola qui n'a dit pas. Nous avons mais aussi le temps que le soleil était avancé de 10 degrés, Ézéchiel était malade. L'humanité était dans le péché. L'humanité était malade. Pour maintenant que l'humanité est bika, nous avons il faut ça la marche en arrière. Azonga sima. Nous avons azonga sima te. Nous avons tourné à Mukongote, mais ce jour-là, Dieu devait reculer pour la guérison d'Ézéchiel. Que le Seigneur bénisse. Remarquez, toujours une écriture en haut, Esaïe 38, tout ça, wana, tout joué le comme vous avez, Esaïe 38, remarquez ce qu'il est écrit, Esaïe 38, verset 8. Je ferai reculer de 10 degrés en arrière le soleil, l'ombre des degrés qui est descendue sur les degrés d'Akaz, et le soleil recula de 10 degrés sur les degrés où il était descendu. Merci Seigneur pour ma kambanzambe za bien. Ah bah alors babouye, je ferai reculer de 10 degrés en arrière avec le soleil l'ombre des degrés qui est descendu sur les degrés. Au moni mo itango itambolaka, ceux qui ont un débit, ceux qui assali 10 degrés, à quel il bosse 10 degrés, et l'eau qu'on y soit qu'on frappe et paie sa ombre. Au moni, mo y, ceux qui assali déplacement à 10 degrés, et l'eau qu'on soit qu'on frappe et qu'on paie sa ombre, qu'on projette ombre. Mais maintenant, quand le soleil recule de 10 degrés, c'est pour dire que ombre, on a projeté qui est sous tes limites. Parce que le soleil est revenu au lieu du départ. Tant que le soleil est au lieu du départ, ombre est zate. Mais quand le soleil ben, marche, ça l'état 10 degrés, on paie sa ombre, qu'on soit qu'on frappe. Mais quand le soleil recule de 10 degrés, ombre limite. C'est parfait. Et tel ça dit soit la loi. Toujours Hébreu chapitre 10, verset 1. Hébreu chapitre 10, verset 1. Hébreu chapitre 10, verset 1. En effet, la loi qui possède une ombre des choses à venir et non l'exactitude de représentation des choses ne peut jamais par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année amener les assistants à la perfection. C'est pour dire que tant que le soleil est au tambour, tout le monde a ombre. Mais tant que le soleil est au départ, ombre est limoué. Quand on voit le soleil n'a qu'à 10 degrés, c'est ça le Seigneur qui avait fait 10 pas. Tant que le monde a 10 pas, 10 degrés, nous voyons la loi. Au moins, or, tant que le monde a la loi, tout le monde a ombre. C'est pour dire que la loi posséder l'ombre des choses, la loi n'était pas l'exactitude des choses. Voilà pourquoi les lots, ceux qui sont écrits à Mobeko, nous devons l'interpréter. Nous devons l'interpréter. Parce que dit que la loi possédait l'ombre des biens. Vous savez, c'est une représentation à Makambo Penzate. Il faut un bélier. Il faut un mémé, il faut un tabac, il faut un salaboué. Toutes ces choses-là, c'était l'ombre. Quand Christ était venu, Jean-Baptiste a monié, lui, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est pour dire que l'accomplissement de la loi, c'était le Seigneur Jésus. Mais maintenant, remarquez. La loi, donc le Seigneur, le soleil et Seigneur là qui est zongasima. Ça veut dire Nzambe et Seigneur là qui est zongasima. Remarquez. Mouto ya sali dit pas. Ce qui balobi a zongasima. Cela veut dire à longo li dit pas wana. Moutoua sali dit pas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A telle minute place wana. Si koso wade bine ke asa la dit pas en arrière. Aba nozanga 1, 2, wana 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Donc c'est pour dire que à longo li yangou. Yangou quand le Seigneur Jésus Christ était venu. Abi je n'y suis pas venu pour ôter la loi. Abolir la loi. Mais je suis venu pour accomplir. Or, en accomplissant, à l'ongolite. C'est pour dire que à l'ongolite, mais c'est pour dire que c'est lui qui était l'accomplissement de la loi. Tant qu'accomplir, c'est pour dire que Mobeko et l'ongo est comme une réalité à Mobeko. C'est lui la lumière de la loi. C'est lui l'accomplissement de la loi. Kozonga nango sima,
C'est pour dire que eloko ebandaki koboma nzamba longoli yango koboma lisusu te alongola ngo ndenge ni nakokisa yango na nzoto na ye. Vous voyez? C'est pour dire que tant nzamba sala ki dipa, c'est ça la sagesse de Dieu dans la loi. Là Dieu tué. Nzamba sala ki sans pitié. Mais tant azo sala azo zonga en arrière, ça c'est la grâce. Il ne tuera pas. Remarquez tout ça, le mouvement touché quelque part. Jean-Baptiste a obat sabato. Tant Jean-Baptiste a obat sabato, le baptême de Jean-Baptiste, c'était le baptême de la repentance. Jean-Baptiste a obat sabato. Tant obat sabato, tout comme mon balamoko boué, tout mon balamoko boué, nzambe pa yekozwa baptême. Parce que Jésus, c'est lui Dieu. Qui wana nzambe? Yesu zalaka nzambe. Tozui 1 Jean, Jésus-Christ est Dieu. 1 Jean, chapitre 5. 1 Jean, chapitre 5, verset 20. Nous lisons au nom de Jésus. 1 Jean, 19 à 20. Ok. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la domination, la puissance du diable, du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable à son Fils Jésus-Christ. Verset 21. C'est lui qui est le véritable Dieu et la vie éternelle. Petit enfant, gardez-vous des idoles. J'aime cette précision. Moutazolo baza mou yuda a yebi makambwa nzambe. Poba yuda ndeba yeba ki para mou nzambe baza nani. Bousso peto yebi yelona révélation. Ok. Moïda pas que benga mtunzambe. Abi, verset 21, c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Puis on va regarder vous les autres. Mais remarquez. Jésus comme le véritable Dieu. Tout le monde va pouvoir se battre ma repentance. Nzambe, pas yazu battre ma repentance. Oh, tout le monde est Nzambe, ou soumoukaki? Nzambe, ou yibaki? Nzambe, ou tongaki? Nzambe, ou zoki moi sabato? Oyibaki biloko bato. A répondre yo te. Bon, si quoi yo kozwa baptême pour la nini. Vous voyez? Et c'était le baptême de la repentance. Attention. C'est pour dire que tant nzamba zwa baptême ma repentance, Dieu ne pêche point. Mais Dieu devait se repentir. Vous voyez? Na natire na ye ya koboma, na natire na ye ya na natire na colérique. Na natire ne o ezala ki na ngwana ya kuboma donc tant moni nzamba zo zo baptême ya repentance c'est pour dire que Dieu devait se repentir na lolenge na o azaki na ngwana ancienne alliance a kuboma lisusu te. Vous voyez, c'est ça le baptême de la repentance a kuboma lisusu te. Le lo nzamba zo boma lisusu te parce que a se repentir na natire na ya sauvagerie ezala ki na ngwana. Na nature n'est colérique azalaki nango aujourd'hui il ne tient point. Aujourd'hui c'est le temps de la grâce et nous croyons que le soleil ezonga ki sima c'était à la croix de Golgotha. C'est à la croix de Golgotha ne ombre et limwe à la croix de Golgotha, c'est là où le Seigneur avait accompli la loi. Il avait accompli ombre nyoso na kati na ye parce que c'est lui l'accomplissement de la loi, c'est lui le véritable soleil où il a été crucifié, ne coulous même. Remarquez, pourquoi le Seigneur fait tous ces mouvements? Le Seigneur fait tous ces mouvements, le soleil est aux zonga pour la guérison d'Ézéchias. C'est pour dire que le Seigneur devait reculer à la croix. A zonga sima terre, mais à cause de l'homme, a zonga sima. Il a accompli la loi, ce temps qu'il a accompli rango, c'est pour dire que la loi aujourd'hui, et ça se cicaté aujourd'hui, c'est le temps de la grâce. Que le Seigneur nous bénisse. Remarquez, tous les écritures, moi, dans Apocalypse, il y a un autre qui est, Mouto a sali avance à 10 pas. Ce qu'a dit, c'est ma 10 pas, c'est pour dire que 10 pas, ou y a tchaki, et ça sous-souté à l'ongoliango. Or, les 10 pas, ou nous avons sali qui dans la Seine Alliance, c'était la loi. Mais tant que mon a zongi sima, c'est pour dire que accomplir mon beko, à l'ongoli mon beko, yé mon akomi mon beko. Mais tant que mon beko lelo, eza pour bon maté. Remarquez, Apocalypse chapitre 22, verset 1 à 2. Apocalypse 22, verset 1 à 2.
Et il me montra un fleuve d'eau de la vie limpide, comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois de fruits, rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servent à la guérison des nations. Toujours verset 15. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique les mensonges. Ah, en Apocalypse 22. Comme l'éternité. Pourquoi l'éternité? Parce qu'il est écrit dans verset 15, dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique les mensonges. Je vous dis que les pécheurs na éternité, les pécheurs n'éternité ba okotate. Yango remarquera que Israël tant bazo bimana Égypte. Babimaka batobele na ba ramasi bango to babimaka na bango na kata na nini na ba nation mususu ebele na Egypte mais pona kokota na Kana bango ba selema 12 tribus nde ba kota na Kana c'est pour dire que soko bimana libumu ya Abraham te kuna okota te 12 nde ba kota or ko bimana Egypte kokota na Kana ezala ka pe sorti a éternité oto utaki na éternité toza kokende na éternité to utaki l'éternité kota to utaki Tobima biso nyonso, naba shege, naba kuluna, naba ndoki, naba magicien, na satana, biso tuto bima kuna. Mena eternite otozo kende, ba shege, ba ndoki, ba sorcier, le magicien, satan, ba okotate. Omoni, biso nso zouti eternite, tozo nge eternite, mais attention, ba tobako zonga eternite, ezakara batu yu bayambi Jésus Christ comme Seigneur et Sauveur, nde ba zonga eternite, bref, les saints. Mais le bateau baza ba sainteté Apocalypse 22:15 c'est allé sur que ba okota te que le Seigneur bénisse nangana tali saka expliquer que Apocalypse 22 na benja ko la éternité mais rien n'empêche na katalité ya ba couleur monsieur ko bimawana pour le bateau toujours te ya esa absolute mtu musupa ko msa couleur wana mais na ke kuna pour dire quoi vous remarquerez na Apocalypse chapitre 22 awa bazo tali sabiso au milieu il y a ville batre zoka nzete moko arbre de vie mais soki to zongi na jardin d'Eden na kata jardin tout le monde comme de nzete l'arbre de connaissance du bien et du mal mais tant que to comme na police vende a batre zoka nzete moko l'arbre de vie siko arbre de connaissance du bien et du mal et que wapi. Or, tu expliques qui n'a pas audio les cas qui est l'arbre de connaissance du bien et du mal, c'était la loi. Vous voyez? C'est pour dire que tant que tu es en éternité, tu n'as pas besoin que tu es à la terre. Remarquez. Romains chapitre 4, verset 15. Romains 4, verset 15. Parce que la loi produit la colère et que là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. C'est pour dire qu'une éternité, l'éternité, nous avons besoin de candidater. Pourquoi? Parce que mobe que cause la lissoute, tout ce qui est moko l'arbre de vie. Or, quand on voit l'arbre de vie, on voit la vie éternelle. Vous voyez? Nous voyons la vie éternelle. Nous voyons le Seigneur Jésus comme la vie éternelle. Il y a des tout ce qui est éternité, qu'on a candé cause la tête, tout ce qui est moukate, parce que mobe que cause la tête. Que le Seigneur bénisse. Na koki ko ben de critiro na révélation. Parce que tu es dit que l'issou et l'embarque au monate. Or, quand on parle de l'œil, on voit la lumière, on voit la révélation. C'est pour dire que la révélation est mon akabakoule rebelle. C'est pour dire qu'aujourd'hui en église, ce qui lobby banzete zala kimi balé, l'andanga s'il vous plaît. C'est pour dire qu'aujourd'hui en église, au milieu de l'église, nous avons qu'un seul arbre, le Seigneur Jésus, la vie éternelle. Pourtant, nous avons accompli mon béko ne kounoussou. C'est pour dire que nous avons encore l'arbre de la vie éternelle, la connaissance parfaite de Dieu. Il y a tout ce que nous avons dit. Donc, il y a dit que la loi produit la colère. Vous voyez? La loi produit la colère, produit la transgression.
Or, la Bible dit que moi, je suis sous mon kakate, mais nous branchons par plusieurs manières. Mais l'église est mobeko ezali, mais attention, la loi existe aujourd'hui, mais attention, mobeko ezoko existe na vigueur na ngote. La loi existe aujourd'hui comme les témoignages. Lobby mobeko ezali na vigueur. Mais lelo mobeko ezali na attention, mais na vigueur na ngote, mobeko ezona pour nous servir de témoignages. Je donne un exemple. Nzamba bengi jana ila patmos aoki mungongo zo benga ebenge wapi na sima sikopo Jean amona muta banda ko benga il faut a tourner ata na sima. C'est pour dire que pour comprendre Nzambe il faut tourner na sima. Soko tourner na sima te au mona Nzambe te. Or quand on voit le dos, nous voyons le ministère de Moïse, parce que Moïse c'est le dos de Dieu, Jésus c'est la face de Dieu. Moïse avait besoin de voir Dieu. C'est pour dire que Moïse avait vu le dos. Il a dit que le ministère de Moïse, c'est le dos. Si on a commencé, il faut tourner à la cima. Cela veut dire tout ce qui concerne Dieu est écrit dans la loi, les prophètes et les psaumes. Voilà pourquoi, lorsque les apôtres prêchaient, ils expliquaient Christ dans les écrits de la loi, des prophètes et les psaumes. Il y a autre chose, les lots, mobé koza wana comme les témoignages, donc au témoigner Christ, mais en a vigueur le sous-souté. Que au moins soit en a makila, à côté de la carte ensemble, Ils ont l'été. Mobala wata blama moisite, moisi, wata blama mobalite, attention, ils ont l'été. Nous devons interpréter toutes ces choses. Vous voyez? Mobé koza les lots, mais mobé koza sous la vigueurté. Et ça, on a pour un témoignage. On a pris un deuxième exemple. Vous remarquez dans l'Apocalypse 12. Bah là, c'est moi, c'est moi qui a enveloppé dans le soleil. Dans ma colonne. Dans ma colonne. Et ça, là, qui est dans Sanza. Or, quand on voit les pieds, nous voyons la marche. Parce que ma colonne est en bolaka. C'est pour dire que marche n'a pas sur les lots. Il faut to zonga dans cette alliance totale, parce que nous marchons aussi selon la parole prophétique. Ici, je prends aussi la ligne comme la parole prophétique. Au moni, tous comme la parole prophétique qui nous aide aujourd'hui à marcher. Mes frères et sœurs, même Apocalypse à Jean, pour to expliquer, d'ailleurs Apocalypse à Jean, ce que tu as bien, c'est la répétition en cette alliance. Apocalypse à Jean wana. Soko talango bien la répétition une ancienne alliance. C'est pour dire que aujourd'hui la loi à la croix, quand le Seigneur l'avait accompli na kata nzoto na ye, mobeko lelo ezali. Mais attention, eza sous na vigueur na ngote, mais mobeko eza lelo pour nous servir de témoins. Pour mater nos stoté ya kata zokango kuna. D'autres va pour tout expliquer Jésus, mais eza sous na vigueur na ngote. Mais tant que tu koko ma côté tozo kende to koza susu na posa na yango te, parce que to komo na ye to koza lokola ye, la loi n'existera plus. Même témoignage vous a susu te, parce que to komo na ye to koyeba nyonso to tika la kaka na ye. Que le Seigneur nous bénisse. OK, to kozonga si mamuke pona kotali sa pona ko clôturer que la solution d'Ezekias e banda ko tena sa mabelete. La solution d'Ezekias est à Kina Likolo. Peuple de Dieu, quel que soit le problème que tu peux traverser aujourd'hui, il y a que la solution est dans le ciel. Or, quand on voit le ciel, nous voyons tout un homme, c'est le Seigneur Jésus. C'est pour dire que c'est Dieu seul qui est notre solution. En dehors de Dieu, solution sous les alités. Il y a une des solutions dans la vie. Et belé le lot, parce que c'est là-bas, même si ça va relation à Bango Nanzam, mais à cause de la relation à Batu. Ça, c'est une grosse erreur dans la vie. Garde ta relation avec Dieu, parce que si Dieu, si tu es ta bonne relation avec Dieu, yeba ke nyonso na kata vie na yo et ko sala malam. Mutu penza batumsu le binom na sepeli na ye abebisa penza relation na Nzambe. À cause ya batu, à cause ba bien matériel, à cause ya biloka mukili. D'ailleurs, frère Paul a zo benga les biens temporaires, eza na débit, eza na fin. A to sombi amer lelo, amer ne ko sala i e ko sala siècle te, e ko beba
un jour prendra fin, un jour écoutez, mais un mot Dieu, parce qu'il y a la bandelité, peuple de Dieu, la solution, c'est dans la parole. La solution, c'est Dieu lui-même. Nous devons nous approcher devant lui, dans la prière, en lui suppliant, à tout bon délilo, à tout monique, et seul que les similités continuent à s'ambéler. Kotikate, il est notre solution. À tant le nom de lobby, à Osala, n'a pas la rana Eli, à rétablir hôtel, à silicier hôtel Nios, mais pour mou le bête, il faut qu'il y ait un serviteur, à qu'il y ait un côté à Maï et Bima, à côté à la mère. Serviteur à Kei, à Yazongisie, à Ebisie et Logote, à Ebisie Kendel Sous. Aya zongi la bilo kotabi kendel sou 7 fois. Ti na 7e fois mbou le betaki. Je ne sais pas ti est à niveau quel niveau. Peut-être ozana na 2e tour. Peut-être ozana na 3e tour. Peut-être ozana na 4e tour. Kolembate, persévère. Yikampiko, kende ti na souka. Ceux qui se confient à l'Éternel ne sont jamais décis ni confis. Quelles que soient les difficultés. Si sur la terre tous les médecins sont incapables de te traiter, il y a un médecin soleil, Yazana Likolo, Yatretaka. Là où les médecins de ce monde va coquiter, là où les médecins de ce monde va komina souka, nous avons un véritable médecin, c'est le soleil. Lui, il apporte la guérison. Or, le médecin soleil, c'est le Seigneur Jésus-Christ. J'aime le médecin soleil parce que soleil, Azana Dema Papou. Soleil, Azana Dema Papou. Dans la prophétie, les deux ailes du soleil, c'est les deux témoins. Dans la prophétie, les deux ailes du soleil, c'est les deux témoins. Mais quand nous ramenons cela dans la révélation, les deux ailes du soleil, c'est la lettre et l'explication. Vous voyez? C'est la lettre et l'explication. C'est à la loi et au témoignage. C'est la parole et sa puissance. Peuple de Dieu, le véritable soleil, c'est le Seigneur Jésus. C'est lui la guérison. Oh, que le soit pas mon abisso. C'est lui la guérison. Que le Seigneur nous bénisse. J'aime encore une chose. Bon, n'a préféré na soukawana pour le but au koba. Peuple de Dieu, persévère. La parole que tu as récite, dans la parole, il y a tout. Dans la parole, il y a la guérison. Dans la parole, il y a l'élévation. Dans la parole, il y a la délivrance. Dans la parole, il y a le mariage. Dans la parole, il y a la fertilité. Il y a la fécondité. Il y a l'abondance. Il y a la bénédiction. Il y a la délivrance. Tout est dans la parole. Croyons seulement. Peut-être c'est question de temps. Au temps marqué par Dieu, le Seigneur te visitera. Le Seigneur te fera grâce et tu vivras la grâce de Dieu. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse.